gratifiant pour nous de voir qu'on s'intéresse à nous pour un travail artistique ou simili artistique. Et franchement, c'est quelque chose qui nous a vraiment, qui nous a vraiment fait du bien d'avoir rencontré Chloé et Renaud. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi de ce qu'on est parti, on est parti de quasiment rien. Ils ont réussi à sortir le meilleur de ce qu'on avait en nous. Et c'était pas gagné parce qu'il n'y avait pas grand chose de viable. Et pour faire aujourd'hui, voilà ce que vous voyez aujourd'hui ici. La culture et l'art sont une très bonne médecine. Je m'en suis aperçu dans cette incarcération-là. Et je pense que je vais continuer là-dessus de mon côté. D'enfermement. Ces gens sont donc en situation de détention et on leur demande de s'exprimer et on leur promet surtout derrière une exposition. Donc ce qui était très intéressant, c'était ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur, le fait qu'on amène des œuvres à l'intérieur de la prison pour qu'ils s'inspirent, donc des sortes de muses. Et notre tâche, c'était simplement de les accompagner vers eux-mêmes, vers la propre expression, pour que cette expression ressorte et finisse à ce tour dans ce musée-là. Voilà, c'était un projet très innovant pour ça, je crois que c'est ça qui nous beaucoup plus, oui. Je crois que souvent les détenus, les personnes en situation de détention n'ont pas idée de ce qu'ils vont faire en atelier. Donc ils disent qu'ils vont passer le temps, tuer l'ennui ou ce genre de choses. Parfois avec curiosité, parfois avec un peu de méfiance. Nous aussi nous étions curieux et méfiants en un sens. Il y a quand même une sorte de phase d'observation comme ça où on se demande tous pourquoi on est là. Et finalement, très rapidement, on a trouvé un terrain commun. Terrain qui nous faisait avancer et qui les faisait avancer. Et en fait, de là, une synergie se crée, on se met à leur service pour être finalement le prolongement ou l'extension de leur volonté, l'extension pratique. Et puis on fait en sorte de les faire collaborer également entre eux pour qu'ils puissent être complémentaires. Si on considère qu'une création artistique, c'est un dialogue avec soi-même, là on était avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de porter un regard sur eux-mêmes, encore moins de faire sortir quelque chose d'eux-mêmes. Donc la première chose qu'on a cherché à faire, c'était simplement de leur présenter ces œuvres-là qui étaient censées les inspirer, d'essayer de voir quels échos il pouvait y avoir en eux. Et quel dialogue il pouvait nourrir avec ses œuvres, même, etc., etc. Et une petite période de flottement qui était nécessaire, je pense, une période de latence. Et très rapidement, ils ont commencé à écrire, à dessiner, à s'exprimer. Et là, tout était arrivé très, très, très rapidement. On était surpris, même, de voir la force de création, de créativité qui était là. On a un peu cadré, vraiment, plutôt d'ailleurs sur les aspects techniques, parce qu'ils avaient déjà un discours, ils avaient déjà quelque chose à dire, ils avaient déjà des idées, et on les a accompagnés jusqu'à la fin, et ça a été assez surprenant d'ailleurs, et je pense qu'eux-mêmes ont été surpris, au-delà du syndrome de la page blanche qu'ils ont tous plus ou moins connu, à un ou deux près, du moment où ils ont enclenché, ils étaient quasiment surpris de fabriquer des choses, de se retrouver avec des choses devant eux. Ces gens-là étaient tous volontaires, donc ils avaient un intérêt à venir, peu importe lequel. Alors, d'intérêt, il y en a plusieurs. Pour être franc, les gens qui participent à des ateliers peuvent négocier des remises de peine derrière. Ça peut être une motivation. Mais au final, pour avoir échangé avec eux après, longtemps, en toute sincérité, ils étaient tous ravis d'avoir vécu ça. C'était une expérience artistique, mais surtout humaine très forte. Une expérience aussi pour la prison, qui a permis quand même l'entrée d'artistes avec beaucoup de matériel, souvent. Pas de petits passe-droits, mais c'était une certaine agitation quand même pour le monde carcéral. Et on pensait qu'on aurait peut-être des difficultés à cause de certains matériaux. Ça n'a pas du tout été le cas. Non seulement nous n'avons pas eu de difficultés, mais vraiment le personnel nous a facilité les choses. Oui, véritablement. On a quand même eu beaucoup de facilitateurs et d'adjuvants. Et ensuite, clairement, ça a été tellement bien reçu, tout de suite avec beaucoup de gentillesse, de sympathie, beaucoup de respect également. C'est un univers un peu particulier, donc c'est sans temps de tension. Mais du coup, finalement, les rapports humains sont très structurés et extrêmement cordiaux. Toujours vraiment dans une extrême politesse,
Et du coup, ça devient très sympa. Et puis, en effet, avec leurs différentes natures, mais dès lors qu'il y a un groupe, on a affaire à ça. On a toujours le bout en train, le rieur. Ouais. Et du coup, on a fini par beaucoup rire. Ça nous a permis vraiment de découvrir un lieu qu'on ne connaissait pas. C'est des lieux dans lesquels on a réussi aussi à s'exprimer et par rapport à notre vie et tout ce qu'on a pu connaître. Moi, je suis vraiment content, vraiment du résultat. Je ne pensais vraiment pas que ça allait donner comme ça. Du résultat, je suis content de mon œuvre et des œuvres des autres. C'est un plaisir. Relier l'art qui est quand même le symbole même de la liberté de l'homme et de la femme, évidemment, dans la création spirituelle, sensible de l'intelligence, à l'univers carcéral, qui est le lieu où, au contraire, l'individu est privé de la liberté, c'est un pari, a priori, fou, quoi. Après, l'expo est tout à fait extraordinaire pour ça, parce qu'elle montre à la fois par la sensibilité des artistes détenus, par l'exaltation parfois de leur motivation, par les sujets traités, combien ce projet vraiment a abouti. Et alors ça fait banal de dire ça, parce que positiver un tel projet, ça semble un peu suspect dans la société actuelle, mais c'est vrai que ça a du sens. Voilà, enfin, moi je suis très heureux de l'avoir vu. Voilà.